Ça va ma tête? Coucou, bah, on fait une petite vidéo impromptue parce qu'on est super content. Parce que Georges, il vient de voir qu'en fait là, les bananes, elles commencent à jaunir. Donc on a eu... Ça, c'était un super cadeau quand même de l'univers parce qu'en fait, ce premier régime, la fleur, elle s'est faite pendant que j'étais à l'hôpital l'année dernière. Donc c'était... Voilà, l'univers... Je trouve que c'était un joli clin d'œil parce que j'avais des trucs qui n'étaient pas cool. Et puis bon, on a eu là. Quand je suis revenue, j'avais le plaisir de voir cette première fleur de bananier. Donc après, derrière, ben, ça a fait ce qu'ils appellent des mains là. Donc on a une, deux, trois, quatre mains. Voilà. Et puis donc c'était au mois de. J'étais à l'hôpital en septembre, début septembre l'année dernière. Et là, on est en juillet. Mi-juillet, donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ouais, 11 mois, c'est beaucoup, hein. Et puis donc voilà, the first. Donc il y en avait déjà une qui était abîmée par les fourmis qu'on a déjà mangées, et puis ben voilà, en fait, celle-ci, on voilà, oh, c'est incroyable quand même, incroyable. Donc voilà, en fait, donc les bananes, ça peut pousser au Portugal, donc. Donc je vais en manger un petit bout, puis après je vais donner le reste à Georges en fait. Hein. Donc c'est bon. Hein. Donc en fait, elle est bonne. Elle a un petit goût un petit peu plus fruité, je dirais, que les bananes qu'on a l'habitude. La texture, elle est dense et molle sur le tour. Ouais, franchement, donc voilà. Et puis alors, je voudrais faire un bisou tout spécial à Carsten, en fait, qui est en Espagne et qui tient un écolieu en Espagne, en Andalousie, parce que ben, c'est grâce à lui qu'on a des bananes. Il nous avait envoyé, en fait, des petits bouts de racines il y a combien d'années? Il y a 3-4 ans, en fait, quoi. Et voilà, donc merci Carsten, grâce à toi, maintenant, on va pouvoir manger des bananes. C'est cool!